Des commerçants qui peinent à trouver des clients. Certains couchés sur leurs marchandises attendent en vain. D'autres interpellent des passants sans succès. C'est à cette scène qu'on assiste au marché Gouro d'Adjamé ce dimanche matin. Depuis matin, j'ai vendu que 15 000. Habituellement, quand il y a l'affluence, on peut vendre jusqu'à 30 000, 40 000, 50 000. Mais là, comme aujourd'hui est dimanche, compte tenu qu'aujourd'hui est dimanche, c'est un jour de prière, donc il n'y a pas trop d'affluence. C'est un jour aussi de repos, donc non, il n'y a pas trop d'affluence. Sinon, habituellement, on vend plus que ça. À partir de 13h, 14h, ça donne un peu. Depuis matin, là, je suis venu. J'ai gagné 1000 francs, mais je ne me plains pas. Je sais que jour comme ça, Dieu peut me faire grâce. Le dimanche, la circulation est fluide. Les rues sont moins denses dans la commune d'Adjamé. Le trafic est bien plus léger comparativement aux jours ouvrables, au cours desquels le nombre de visiteurs est estimé entre 2 et 3 millions par jour. Cette faible affluence est source d'inquiétude pour les commerçants, mais un avantage pour les quelques clients présents. Ami préfère faire ses achats le dimanche. Pour elle, cela est plus avantageux. Dimanche, le coin est relax, on peut passer facilement. Puis les trucs sont moins chers. Mais seulement, ce que je plaide, beaucoup de magasins ferment. Avant, là, les autres ethnies, là ne fermaient pas, mais maintenant, ils se sont mis dans la danse. Sinon, avant, là, ça ne se fermait pas. Les trucs sont moins chers. À partir de dimanche, lundi, les trucs sont moins chers. À cause, je viens le dimanche pour faire mon marché. Au forum d'Adjamé, l'ambiance est la même. Des magasins sont fermés, aucun client n'est visible à l'horizon. Certains commerçants s'ennuient, d'autres espèrent avoir la recette du jour. Un véritable défi pour eux ce dimanche matin. D'habitude, ce n'est pas comme ça. Regarde, le dimanche, il n'y a rien dans le marché, il n'y a même pas de client. On vient s'asseoir où le magasin, il n'y a rien. Comment je vais faire pour avoir le transport, pour manger? Ça, je pense entièrement. Pendant les jours ouvrables, le marché d'Adjamé connaît une grande affluence. Les dimanches, il enregistre moins de visiteurs, chose qui rend sa fréquentation plus aisée. Une occasion pour des travailleurs de faire leurs emplettes en toute quiétude.